Salut les viewers, c'est Marcus Bonus. Et bienvenue dans la plateforme, ce nouvel épisode de Fallout 3, une fête qui commence dans une pause parce qu'il y a du fight devant. Et que je ne sais pas qui ça oppose en fait. Ah, apparemment, on va pouvoir le savoir assez vite. Les raiders. C'est pas un chinois, dommage. Oh non, je suis trop lourd. T'es sérieux, je suis trop lourd? Oh putain, je suis trop lourd. Tout ça à cause de quelques mines. Attendez, est-ce que j'ai de la merde dans les divers? Ah, mais ça vaut de l'argent, ça. Bon, on va faire ça comme ça. Apparemment, non, j'allais dire qu'il y en a un qui est mort, mais non, apparemment non. Wouhou! Croyez que... J'ai une chance de toucher. Non, par contre, ce qui est pas rassurant, c'est que les autres soient morts. Bouffe! Oh non. Oh non. Et de 1, oula. Une brute, mais bien sûr. C'était tellement certain en fait. On va prendre une autre arme. Attendez. Ça fait à peu près les mêmes dégâts de toute façon. Oh, quelle belle tenue, j'avais oublié. Ouh, il est parti en bout partout, lui. On va quand même penser à prendre une autre armure. On est un peu dans la merde quand même. Bouffe. Dents. Il faut filer. Oh non, elle a dépassé, dommage. Voilà, il a pris extrêmement cher. Maintenant, faut espérer qu'il approche. Mange dans tes dents. Voilà. T'avais pas un fils d'assaut chinois, c'est dommage. Bon, on s'en est sorti malgré tout. On va prendre les cartouches. On a pris quand même extrêmement cher. Et il y avait des chiottes antinucléaires. Alors, allons voir ces chiottes. Refuge de préservation Puloski. Ouh. Aux salles, munitions. Ah. Aïe. Mon épingle à cheveux. Voilà. Oh, 210. Ça fait plaisir, ça. Par contre, ils étaient vraiment seuls. Ils ont eu tout le monde de l'autre côté. Vous êtes sérieux? F5 quand même, au cas où. Il y en a encore un là-bas, non? Je l'ai pris pour une goule de loin, mais non. Ah, ils ont fait une incursion jusqu'ici. Oh la vache. Donc, la viande de fourmi va m'être très utile. Bon, bah, si elle prend une place par une place, la viande de fourmi, c'est clair que oui, j'aurai des problèmes. Viande de fourmi. Merci. Au sale. Un petit peu de régène, ça va me faire du bien. Ah oui, empoisonnement minimal par radiation. Non. Hop. Parfait. C'est quoi devant? Oh, un Brother of Steel? Cool. On a une belle armure, chers amis, qui nous attend. Eh ouais.
On va prendre le low plaque comme d'habitude. Donc là on est extrêmement lourd. Oh putain, par contre il a perdu un pied. Littéralement. Bon, on a une grosse armure, chers amis. Hop. Ah, j'avais oublié qu'on devait en avoir un entraînement. Je vais complètement zapper. Par contre, oui, on est extrêmement gros. Et apparemment, il y en a encore là-bas. Apparemment, il y en a encore là-bas. Bon. Bon, alors qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'il y a par là? Elle. Retourner auprès de Brian Wilkes. Pourquoi pas? On peut, de toute façon, je crois qu'on peut pas se téléporter quand on a des objets comme ça. On est trop lourd, on peut pas se téléporter. Voilà. Donc il va falloir qu'on vire des objets. Et donc malheureusement, on va devoir revirer l'armure. Fait chier. Moi j'aime beaucoup cette armure. Fusil laser. Hop. Et on doit virer aussi le lance-flamme. Dommage. Bon, de toute façon, le lance-flamme est pas très. Je trouve pas que le lance-flamme est hyper méga efficace. Il nécessite d'être trop près en fait. Je sais qu'il y en a partout. Donc, déjà, ça en soi, c'est très mauvais. Tiens, il y a encore un fusil de chasse. Un petit tas de cendres. Bon, ce qu'on va faire, c'est qu'on va se téléporter directement sur Brian Milks là. Ou Wilkes, je ne sais plus. Kreditch, voilà. Normalement, il n'y a plus de fourmis ici. Je vais ranger mon arme. Hop. Saleté de monstre, vous ne mourrez pas ici. C'est moi. Les fourmis, elles sont toutes mortes. Ouais. Toutes. C'était trop bizarre. D'un seul coup, les fourmis sont devenues folles et se sont mises à se battre. Et ouais. Elles. On aurait dit qu'elles étaient complètement dingues. Ça faisait peur, mais en même temps, c'était cool. Vous voyez ce que je veux dire? Ouais, à peu près. Ouais, j'ai fait ça tout seul. J'aimerais avoir quelque chose à vous donner pour tout ce que vous avez fait, mais je n'ai jamais eu grand-chose. J'imagine que vous allez reprendre votre chemin et que je vais devoir rester ici tout seul. J'espère que vous repasserez me voir un jour. Je peux pas te laisser ici tout seul, je vais te retrouver, je vais trouver un endroit où aller, pourquoi pas. C'est vrai? Oh, merci beaucoup. Je vais attendre que vous reveniez dans mon ancienne maison. Ok, écoute, je laisse tomber, je n'ai pas trouvé. Tu sais où je pourrais trouver quelqu'un qui Eh s'occupe de bien, toi? Qui pourrait papa s'occuper m'a de toi? souvent parlé de ma cousine Vera. Elle vit sur un bateau géant Oh la quelque gueule. part, un truc comme ça. Papa appelait cet endroit Rivet City, D'accord, ouais, bon, mais je je sais ne où sais. c'est. Je vais y aller. Bon, faut qu'on retourne à Rivet City si on veut s'occuper de lui. Trop génial, top moumoute. Eh ben, on va repartir au sud, vous savez quoi? Et on va aller voir ce qu'il y a, justement. C'était bien là, oui, c'était bien là. Là, j'avais vu des super mutants de loin. Donc, sauvegarde rapide. Et regardons. Donc là-bas, apparemment, il y a deux super mutants. Ok, j'ai 19% de chance de toucher, ce qui n'est pas assez. What? Ok, ça s'est extrêmement bien passé.
À ceci près que la voiture a pété. Et que du coup, je vais me prendre une quantité, une chier de radiation. Une boîte postale, une béquille, un masque de hockey. Excusez-moi. J'ai l'impression d'avoir un petit hockey passager. Le voilà. On a peut-être dû aller mégaton avant, histoire de nous vider les poches. Mais bon, c'est pas grave. Entrance, ça ressemble à une entrée de quelque chose. Vers immeuble de bureau. Ouvrir bureau. 50 capsules, parfait. Aïe. Ce piège. Bon. Oula, non! Le jeu qui... Heureux! Bon bah au moins on sait à peu près sur quoi on va tomber, ça c'est cool. Ouais, on y va. 105 Steam Pack absorbé, ce qui est beaucoup trop déjà pour le début de partie. Alors, sauvegarde rapide ici, comme ça on n'aura pas à reprendre. Ah non! Bon bah cette fois-ci on va tenter quelque chose d'un peu plus brutal, hein, tant pis, hein. Continuer. Je dois avoir le lance-roquette encore. Peut-être le mini-nuke même. Non, peut-être pas le mini-nuke. Lance-missile, en plus j'ai 14 missiles, c'est parfait. Voyons voir. Oh non! Alors, est-ce que ça... On va retenter une dernière fois, chers amis, comme ça, avec... Avec le lance-croquettes, toujours. Voilà. C'est parti. Ça va péter. Ah non, j'ai pas eu le temps de faire la sauvegarde rapide. Bon, on retente une fois sans SVAV, on va bien voir. Alors, vite, 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 vite. Oh non! Bon bah écoutez les amis, on va se laisser là, je vais ressortir du bâtiment dans le prochain épisode. Ou alors je vais essayer de me les affronter, donc sans utiliser Fraps, et après je vous redirai ça malheureusement. Donc quoi qu'il en soit les amis, merci d'avoir regardé cette vidéo, n'hésitez pas à la pouce-vériser, la commenter, la partager, vous abonner. Rejoindre le groupe Steam Joueur de la Playroom, dont vous pouvez retrouver le lien dans la barre de la chaîne. Dans la bannière, vous pouvez aussi trouver mon lien vers le site gamesplanet.com, donc qui est mon partenaire, hein, vous pouvez retrouver aussi dans la description de l'épisode. Dans la description de l'épisode, vous pouvez retrouver les liens vers Fallout 3 GOTY, Fallout 3, Fallout New Vegas, pardon, Fallout New Vegas Ultimate Edition et la précommande de Fallout 4. Toujours en lien donc avec ce que moi je peux vous proposer. Donc encore une fois, merci d'avoir regardé cette vidéo. C'était Marcus Bonus dans la Playroom. A plus pour d'autres aventures et peut-être un petit peu moins de lag lors des prochaines parties.